Now I'm full automatic in the hands of the computer. I tuck my crew in, fall asleep, and I'll be joining. So, in less than an hour, we'll finish our 6 months out at Cape Kennedy. 6 months in deep space. By our time, that is. According to Dr. Heslein's theory of time, a vehicle traveling nearly the speed of light, the Earth has aged nearly 700 years since we left. Well, we've aged hardly at all. Maybe so. This much is probably true. The men who sent us on this journey are long since dead and gone. You who are reading me now, different breed. I hope a better one. I lived the 20th century with no regrets. But one more thing, if anybody's listening, nothing scientific, it's purely personal. Seen from out here, everything seems different. Time bends, space is boundless. It squashes in that fever. I feel no one. Voilà, un petit peu d'héroïne pour faire passer le tout. Parce que là, ça fait mal. Qui a reconnu ? Levez la main. Ah, pas mal quand même. C'est quoi ? Planète des singes, quelle année ? 68, réalisé par ? Ah non. Charlton Heston, c'est celui qui a l'image. Réalisé par Franklin Schaffner. Franklin Schaffner, on est dans le Nouvel Hollywood, au début du Nouvel Hollywood. C'est un de ses premiers films. Et puis Charlton Heston, évidemment, grand maître du cinéma à l'époque, qu'on voit dans Ben-Hur, dans tous ces grands films-là. Et là, on a un extrait, moi, que je trouve absolument fantastique, avec ces notions de temps, ces notions d'espace. Et je vais laisser Roland, peut-être, dire un petit mot pour commencer. Oui, alors, comme vous avez compris, ça va être une séance à double tête. Ça paraît assez évident. Avec Quentin, comme vous l'avez compris, qui va faire, même s'il s'en défend, Monsieur Cinéma. Et moi qui vais faire monsieur, satelliseur de public de Florence ou physicien fou. Et on va essayer de vous parler de la façon dont certains films, parce qu'il y a de nombreux films qui parlent ou représentent la relativité restreinte, de quelques films choisis pour parler de relativité restreinte et de la façon dont le cinéma représente les sciences, qui est quelque chose d'assez intéressant. D'ailleurs, vous le voyez, vous avez tous ri quand il a sorti son gros cigare pour le fumer. Dans un vaisseau qui doit coûter une blinde, il n'y a pas de cendrier, il pose le cigare direct sur le tableau de bord. Déjà, fumer dans un vaisseau et poser sur le tableau de bord, on peut discuter. Alors, on a reproduit ici et traduit ce qu'il raconte, traduit, disons, grossièrement, ce que raconte le personnage principal, qui va lui aussi s'endormir pour un voyage qui va durer longtemps, qui a déjà duré longtemps. En fait, longtemps, regardez, on en est à notre sixième mois. Dans moins d'une heure, nous aurons fini notre sixième mois de voyage. Alors que, d'après la théorie du docteur Heslein, intéressant, non intéressant, en fait, il s'est passé sur Terre à peu près 700 ans. Donc, on voit qu'il y a des durées, parce que là, il s'agit bien de durée. Il parle d'une durée de voyage. Depuis que nous sommes partis, il s'est passé 6 mois, c'est une durée. Et d'après la théorie du temps de Dr. Heslein, la Terre a vieilli, c'est-à-dire que la durée mesurée sur Terre est de 700 ans. Et si on fait le rapport des deux, entre 700 ans et 6 mois, ça fait en gros 1400. Et comme il y a à peu près 1440 minutes dans un jour, on voit qu'une durée de 1 minute du vaisseau correspond à une durée de 1 jour sur Terre. Donc on voit déjà un écart temporel, un écart de ces mesures de durée qui est tout à fait considérable. Alors on va en reparler dans la suite, évidemment. Moi, je vais intervenir, Quentin va d'abord intervenir pour parler de la façon dont le cinéma agit pour représenter les choses. Je ferai ensuite une petite introduction à la relativité restreinte d'Einstein, à la première relativité d'Einstein de 1905. Et puis, on va voir que ce qui est dit là, eh bien, a des implications. C'est plutôt bien dit. C'est plutôt bien dit. On a bien reconnu, évidemment, que le docteur Heslein, c'est certainement le docteur Einstein qui aurait dû être nommé. Et on va ensuite prendre un film ultime que vous allez découvrir tout à l'heure, où il y a vraiment tellement de choses à dire, tant du point de vue cinématographique que du point de vue des sciences, de la relativité restreinte qui nous occupera ce soir, mais aussi de bien d'autres points de vue qui nous occuperont moins ce soir, parce que sinon ça nous entraînerait très loin. Et on conclura sur ce dernier film et puis des éléments bibliographiques pour vous guider dans vos recherches. Merci Roland.
Effectivement, je m'en défends, je ne suis pas du tout monsieur cinéma. Je programme des films qui ont des thématiques scientifiques et j'en réalise moi-même. Mais du coup, je vais vous présenter des interprétations qui sont les miennes, des films que vous allez voir, mais c'est totalement discutable et on pourra en discuter au moment des questions. Alors, tu avais le pointeur. Ouais. Alors, dans cet extrait, moi, je le trouve absolument fantastique. Alors, globalement, Roland va vous démonter les films et moi, je vais les remonter derrière. Ouais. Gentil garçon. Voilà, parce qu'il faut bien... Bad cop, good cop. Hein. Voilà. Vous avez compris qu'il était bad cop. Bon, d'accord. Non, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est deux choses dans cet extrait. D'abord, c'est ça, là. Alors, il faut savoir qu'au cinéma, surtout dans les films de studio américains comme celui-là, il n'y a pas de hasard. C'est pas les rois du tout de l'improvisation, là-bas. Vous avez 3-4 scripts qui vérifient que l'acteur dit bien les mots qui sont prévus, et s'il dérive, il y a un coup de téléphone au producteur qui dit « est-ce que tu es d'accord que ça change ?» et tout ça. Donc si ça, c'est là, c'est pas Charlton Heston qui l'invente sur le moment, c'est pas le réalisateur qui l'invente sur le moment, c'est pensé. Pourquoi « In less than an hour », dans moins d'une heure, nous terminons notre sixième mois ? On s'en fiche. Il n'y a rien dans le film derrière qui se passe dans une heure, puisqu'il s'endort et ensuite on se réveille quand le vaisseau a une anomalie plusieurs années plus tard. À votre avis, pourquoi on a cette information-là ? Dans moins d'une heure, nous finissons notre sixième mois. Et puis derrière, on a un paquet d'informations sur le temps, là. Mais c'est une technique scénaristique que certains scénaristes appellent le carpet bombing, alors, en anglais, donc le tapis qu'on bombarde, comme ça. En fait, là, pour moi, mon interprétation, c'est qu'on essaie de vous... littéralement noyer le poisson. C'est-à-dire qu'on vous inonde d'informations sur le temps. Dans moins d'une heure, nous finissons notre sixième mois, six mois dans l'espace, il y a encore le temps, et après il y a 700 ans. Donc là, on est là pour vous donner le sentiment qu'on va vous parler du temps, tout en essayant d'éteindre un petit peu la réflexion et vous laisser simplement dans le sentiment et pas dans la réflexion, parce que si on commence à réfléchir, on est un peu perdu. La deuxième chose qui m'intéresse énormément dans cet extrait, c'est ça, c'est sa main. Alors le cigare, c'est drôle, mais moi c'est la main qui m'intéresse. Est-ce que vous avez vu le mouvement qu'il fait quand il joue ? Là, on est dans un extrait qui est une illustration parfaite de ce que André Bazin, qui est un théoricien du cinéma français, appelle le pacte de réalité, la réalité ontologique, il appelle ça, alors on ne va pas aller dans le détail, mais c'est-à-dire que vous avez très peu de mouvements de caméra, c'est hyper fixe, vous n'avez pas de profondeur de champ, hein, c'est-à-dire que tout est quasiment net. Ça, c'est du cinéma qui est difficile, c'est du beau cinéma, parce qu'il faut que l'acteur tienne, il n'y a pas de procédé, si vous voulez, cinématographique, qui vient se mettre entre vous et l'action. Et du coup, tous les petits moments de jeu ressortent. Et c'est là que vous voyez aussi ce qu'est un bon acteur, une bonne direction d'acteur, parce que juste avec sa main, qu'est-ce qu'il vous dit là, quand il regarde sa main ? Là, je veux bien que tu passes le slide. Ah ben parfait. Il dit ça. Pourquoi est-ce qu'il dit ça, à votre avis ? Un peu plus fort. Il essaye de voir s'il a vieilli, hein, sur sa main. Ouais. C'est magnifique, vous ne l'avez pas remarqué, parce qu'en plus, il y a la blague du mégot en même temps. C'est vraiment parfait. Hein. Vous ne l'avez pas remarqué, mais vous l'avez senti. Il regarde sa main, parce que cette théorie de la relativité dont va nous parler Roland tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit des choses qui sont fortement contre-intuitives. Elle nous parle du temps, et on cherche, nous, en nous, comment on peut ressentir ce temps, et on se rend compte qu'on est bien démunis pour ressentir ce temps qui passe. Et il y a plein de gens, quand on parle de la relativité, qui vont vous dire « mais est-ce que ça veut dire que mon cœur bat moins vite ?» Ce qui est un petit peu absurde, parce que quand vous allez faire du sport, il bat plus vite et vous ne vieillissez pas plus vite. On est vraiment complètement démunis au niveau sensoriel pour ressentir la relativité. Et ça, c'est très important dans ce que je vais vous dire plus tard. Et c'est très important dans le rapport qu'entretient le cinéma avec la relativité. Donc ça, c'est petit coup de main-là, c'est un petit coup de maître pour vous montrer, voilà, je cherche un moyen de vérifier cette théorie, est-ce que vraiment je n'ai pas vieilli ? Alors, là, j'ai un petit tunnel à moi de quelques slides où justement, je veux vous montrer... La conclusion à laquelle je veux arriver, c'est qu'il y a une énorme ambivalence quand le cinéma utilise la relativité. D'un côté, c'est quand même compliqué. Ça, cette image, que je trouve très jolie, c'est juste une illustration, c'est tiré du premier film de l'histoire du cinéma qui parle de relativité. C'est un film de Max Fleischer. Max Fleischer, c'est un... de 1923, vous voyez, on est vraiment au début. C'est un cartooniste américain, c'est quelqu'un qui fait du dessin animé, qui est hyper connu parce que c'est celui qui a fait Betty Boop. Ça vous dit quelque chose, peut-être Betty Boop, cette femme avec les joues comme ça. Et bien lui, il s'est lancé, il s'est dit, c'est le moment de vulgariser la relativité restreinte et générale. Et la seule chose que j'ai envie de vous dire sur ce film, pour le moment, c'est qu'il fait 23 minutes, qu'il y a plein de textes et plein de dessins. Et à l'époque, si vous faites du cartoon comme ça, ça coûte extrêmement cher, le cartoon. Donc si vous faites 23 minutes, c'est pas parce que vous avez envie, c'est parce qu'il vous faut au minimum 23 minutes pour l'expliquer. Vous faites un film de 2 heures de fiction, si vous vous arrêtez au milieu pendant 23 minutes pour vous expliquer la relativité, vous êtes mal.
Hein, premier problème du cinéma avec la relativité, c'est que ça ne s'explique pas en 2 minutes. Si on peut passer au slide d'après. Voilà. C'est plus rapide là. Vous l'avez reconnu rapide, celui-là. C'est la relativité. Il ressemble à notre ami Einstein d'ailleurs, et ce n'est pas anodin. Hein. Pourquoi est-ce qu'on l'évoque quand même? Et c'est là qu'elle est l'ambivalence, parce que combien le nombre de films qui vont vous dire « Ouais, on va plus vite que la lumière, c'est la relativité. Ouais, en fait, ce vaisseau, il tord l'espace-temps, donc on peut aller plus vite que la relativité, on peut aller plus vite que la lumière. » Voilà. La relativité, elle a cette autre ambivalence, c'est qu'on peut l'utiliser scénaristiquement pour de l'entourloupe. En fait, cinématographique, c'est un tout petit peu malhonnête, mais c'est un moyen de maintenir l'attention. Parce que un terme qui est très important au cinéma, ça retenez bien si ça, le cinéma vous intéresse, c'est un terme qui s'appelle la continuité. Alors la continuité, c'est la bête noire des réalisateurs, c'est la bête noire des producteurs, tout le monde y pense, personne ne la nomme. Un exemple très simple de rupture de continuité, si le ou la script fait mal son travail, je suis dans une pièce, je suis l'acteur, j'ai un pull bleu, je sors sur le balcon, c'est tourné un autre jour, j'ai un pull rouge. Énorme, ça s'appelle un faux raccord, énorme rupture de continuité. Ça, c'est une rupture visuelle. Mais vous pouvez avoir des ruptures temporelles et vous pouvez avoir des ruptures de scénario où vous perdez littéralement la continuité du film, vous perdez votre spectateur et là, vous avez tout perdu. Et donc, les réalisateurs, en général, se méfient de la relativité, ils ne vont pas l'expliquer. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. En revanche, ils vont l'utiliser pour essayer de faire passer des concepts scientifiques. Enfin, en gros, de vous dire, ne cherchez pas à comprendre. Alors, slide suivant. Voilà. Et pourquoi ils vont essayer de vous dire, ne cherchez pas à comprendre, et pourquoi c'est facile de le faire avec la relativité? Ça, c'est une image qui est tirée du film de Max Fleischer que je vous ai montré juste avant, qui a recours beaucoup au texte, évidemment. Et alors si je traduis, alors pour atteindre ces inventions, il a fallu surmonter beaucoup d'obstacles. Un des plus grands était que nos sens nous trompent, la tromperie de nos sens. C'est-à-dire que pour atteindre la relativité, les années de travail d'Einstein, les années de travail de Poincaré avant lui, les années de travail de Lorentz avant lui, c'est rien. Le problème principal, c'est ça, deception of our senses, parce qu'elle trompe nos sens. Vous avez vu dans l'extrait qu'on a vu au début, dire, moi j'ai vieilli de 6 mois, la Terre a vieilli 700. De 600 ans. 700. Enfin, franchement, c'est pas évident à ressentir. C'est pas, mes sens ne me le disent pas. Si je me déplace et que je retrouve quelqu'un qui a vieilli plus que moi, c'est pas évident de le comprendre, de le ressentir. Et alors là, ça fait appel à un théoricien. Enfin, je vais faire appel pour vous faire comprendre pourquoi c'est compliqué dans un film de vous faire comprendre ça, qui s'appelle McLuhan. Est-ce que ça te dit quelque chose à quelqu'un? Marshall McLuhan. Si je vous dis... Ah, notre philosophe. Si je vous dis « Medium is the message », là, ça vous dit quelque chose ou pas? McLuhan était un théoricien canadien des années 60 qui s'est amusé à essayer de comprendre les médias. Les médias, pas au sens journaliste, les médias au sens médium, c'est-à-dire le support que je vais utiliser pour faire passer mon information. Ça peut être le téléphone, ça peut être la radio, ça peut être la photographie, ça peut être le cinéma, ça peut être tout ce qu'on peut utiliser pour vous faire passer une information. Il les a classifiés, en gros, je simplifie, mais en 2 grandes catégories, les médias froids et les médias chauds. Et le cinéma, il va le mettre dans les médias chauds, voire ultra chauds. Pourquoi ? Parce que le cinéma va utiliser plusieurs sens. Il va utiliser la vue, bien sûr, la lumière, il va utiliser le son, l'audio, il va utiliser le temps aussi, il va vous faire ressentir des émotions à travers le scénario, les personnages avec lesquels vous allez sympathiser. Il y a énormément de sens et énormément d'informations. C'est donc un média à haute définition, il appelle ça un média à haute définition. Et il s'est rendu compte, en classifiant les médias, comme ça, que quelle était la particularité des médias chauds, et ça je le cite quasiment dans le texte, ils vous éteignent le cerveau. C'est-à-dire que plus on vous balance de l'information, moins vous réfléchissez. C'est comme ça que fonctionne la publicité au passage. La publicité, c'est bourré d'informations. Alors, quand vous avez une théorie qui doit absolument ne pas faire appel au sens, pour vous faire comprendre, qui doit faire appel à votre intellect, vous voyez que le cinéma, il a 2 problèmes. Le premier, c'est ce que je vous ai montré au départ, c'est la rupture de continuité. Si je me mets à raconter la relativité, je romps ma continuité. Et en plus, mon support cinématographique n'est pas adapté à une vulgarisation. Donc vulgariser ou raconter, il faut choisir. Et ce qu'on va voir dans les extraits suivants, c'est que certains réalisateurs vont l'utiliser de manière un petit peu malhonnête pour faire passer de l'information, pour faire passer rapidement leur récit. En revanche, d'autres vont essayer de vous faire ressentir la relativité, et c'est assez notable, et les 2 films qu'on va vous montrer le font. Deux remarques que j'ajoute à ce que dit Quentin, mais qui vont exactement dans ce même sens. En science-fiction,
Il y a une règle aussi, mais qui est tout à fait celle de McLuhan finalement, qui est le show don't tell, c'est-à-dire montrer l'action, montrer les choses en action, décrivez-les quand c'est un roman de science-fiction, mais n'expliquez pas les choses, faites pas un tunnel de 20 pages, comme il y aurait un tunnel de 15 minutes qui vous explique la relativité au milieu de rien, mais montez les choses en action. Il y a quand même un film où il y a des tentatives, qui me remontent en tête, où il y a une tentative d'explication pédagogique pour le public, mais en fait, qui dans ce film, qui est tout simplement Destination Moon, un film de 1950 de George Pal, où il y a un petit extrait avec Woody Woodpecker mis en scène, donc le personnage de dessin animé, qui explique le principe de la propulsion en réaction des trajectoires lunaires, qui les explique aux spectateurs, mais en réalité, qui les explique aux personnes qui assistent à la projection dans le film est projeté dans le film, et les personnes qui assistent sont les financeurs qui vont auprès duquel les ingénieurs cherchent de l'argent pour financer leur voyage lunaire. Et donc là, il y a vraiment un petit aplat de 5 minutes, mais tourné au sens comique, avec un personnage de dessin animé très réputé, très connu à l'époque, Woody Woodpecker, qui explique la physique de la propulsion à réaction. Et puis, Deception of Senses, on pourrait dire, on ne va pas élaborer longuement là-dessus, mais que toute la physique moderne, et l'astrophysique singulièrement, s'est construite contre les apparences du monde, contre l'idée que, évidemment, le Soleil tourne autour de la Terre, évidemment, la matière impénétrable est continue, et évidemment, la lumière a besoin d'un support matériel pour se propager comme le son, et toutes ces choses sont fausses, et il y en a encore bien d'autres que nos sens nous disent et qui ne sont pas vérifiés dans le monde physique réel. Merci, Roland. Alors, maintenant, ça c'était l'ambivalence d'un côté, pourquoi c'est compliqué de parler de la relativité dans un film. Ambivalence de l'autre côté, pourquoi c'est facile de l'évoquer et d'en faire une supercherie scénaristique. Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. La relativité elle-même, on ne va pas rentrer dans le détail, mais donc elle est contre-intuitive, mais c'est aussi une théorie qui a des singularités, on ne va pas s'étendre là-dessus. C'est une théorie qui donne sa propre fin, elle a une fin dans le temps, elle a une fin dans l'espace, et ça, c'est quelque chose déjà qui est compliqué à comprendre pour le grand public qui cherche dans la science des réponses un peu immuables, un petit peu universelles. La relativité nous dit, moi, je vous dis quelque chose dans un temps, dans un moment, mais elle n'est pas capable de décrire, par exemple, la physique quantique. Mais il y a une autre raison, c'est que c'est à cause de lui. Alors Einstein, c'est impossible dans l'imaginaire commun de parler de relativité sans parler d'Einstein, et parler d'Einstein sans parler de relativité. Alors ça, le Time, qu'est-ce qu'il est en train de faire sur cette image que je trouve vachement intéressante? Il est en train de construire de l'imaginaire commun. Parce que Einstein, il n'a pas travaillé pour la bombe atomique, à aucun moment, à jamais. Et le E égale MC2 qui est là, bah, allez-y pour construire une bombe rien qu'avec ça. Hein. On est d'accord? Oui, c'est pas sans intérêt, mais disons voilà. Qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Il y a d'autres choses. Doute. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, on crée de l'imaginaire commun, on vend aussi du magazine. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on peut utiliser la relativité, pour lesquelles on peut utiliser Einstein comme le faisait Retour vers le futur, comme le fait Charlton Heston quand il cite le docteur Haslein. C'est parce que dans l'imaginaire commun, Einstein, on sait qu'on ne le comprend pas. La relativité, on sait tous que ça parle plus ou moins de temps, plus ou moins d'espace, mais on sait surtout qu'on ne la comprendra pas. Et du coup, c'est une théorie parfaite qu'on peut citer comme ça dans un film en disant « voilà, c'est la relativité, tout ça ». Personne ne se dit « oulala, supercherie, la relativité, c'est pas ça ». Oui, c'est pratique. Et de toute façon, on sait qu'on ne comprendra pas, donc on ne cherche pas à comprendre. C'est vraiment pour un scénariste, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire, mais c'est un truc qu'on peut citer. Si je cite Darwin, là, on se dit, tiens, j'ai peut-être envie de réfléchir un peu, qu'est-ce que c'est? Je vous cite Einstein, la relativité. Vous êtes dans un film au cinéma, vous vous dites, je ne cherche même pas à comprendre. Pour conserver la continuité, c'est parfait. Là, je vous ai mis Marilyn, parce que c'est pareil. Si vous essayez de taper Einstein et Marilyn Monroe sur Internet, c'est absolument ahurissant la quantité de théories du complot que vous pouvez trouver. C'est un photomontage, oui, évidemment. Vous pouvez en trouver des centaines. Ils ne se sont a priori jamais rencontrés, et je vous épargne la blague sexiste qui va avec. On pourra en parler aux questions, si vous voulez. La slide suivante, c'est juste pour étayer ce que je viens de vous dire. Ce sera ma dernière slide pour ce passage-là. Est-ce que vous le reconnaissez ? Chaplin, pas mal. Moi, je ne l'avais pas reconnu au début. Hein. Ça, c'est les premières. C'est en 1931, à Los Angeles. C'est la première projection des Lumières de la ville, qui est un des plus grands, des plus beaux films de Charlie Chaplin, à laquelle assistaient Einstein et sa femme cousine Elsa. Et alors là, on rapporte, c'est beaucoup plus sérieux qu'avec Marilyn Monroe. Il y a beaucoup de gens qui rapportent, beaucoup de sources différentes, donc on est à peu près sûr qu'ils se le sont dit. Et c'est une phrase qui est magnifique. Alors Einstein se tourne vers Charlie Chaplin et lui dit « C'est incroyable, vous n'avez pas besoin de parler. » Vous savez que son personnage, Charlot, ne parle pas dans les films. « Et les gens vous comprennent. » Et qu'est-ce qu'il lui répond ?
Il lui répond, et vous, les gens vous acclament parce qu'ils ne vous comprennent pas. Voilà, ça illustre ce que je voulais dire. L'autre côté de l'ambivalence, qui est que la relativité Einstein, ça a quand même le bon dos à citer parce qu'on sait qu'on ne comprendra pas. À toi, Roland. Alors, en fait, un deuxième extrait de film maintenant, c'est pas ça dont j'aurais besoin, mais peut-être tu vas aussi avoir des choses à dire, évidemment, Quentin, sur cet extrait. Deuxième extrait d'un film qui est beaucoup plus rare, que vous avez sans doute pas vu, qui s'appelle Ikari XB1, un film tchèque de 1963. Qui a entendu parler ? Alors là, moi, je veux vérifier parce alors que... Alors là, s'il y en a plus que 10 qui se lèvent, là, bravo. Bon, j'en vois déjà au moins... Ah si, oh là ! Il y en a pas mal. Oh là. Voilà. On a un alors, public solide. On savait qu'on avait un public solide. Donc on voit que le public du festival se renouvelle quand même, ou alors il ne vient pas au cinéma, puisque je l'ai programmé l'année dernière. On l'a programmé l'année dernière, exactement. C'est ça. C'est une preuve que vous n'étiez pas au cinéma l'année dernière. Bon, on a des preuves. Je peux peut-être vous situer juste l'extrait avant. Alors, vas-y. On est quasiment au début du film. C'est donc un film de 63 de Jindřich Polák. On est dans une nouvelle vague à nouveau. Comme pour la nouvelle Hollywood, le film d'avant, là, c'est la nouvelle vague tchèque. Et c'est des gens, par exemple, comme Miloš Forman, que vous connaissez peut-être avec Vol au-dessus d'un nid de coucou et tout ça. C'est ce genre de réalisateur-là. Et ce film, c'est un film de propagande, c'est officiel, des Tchèques pour... en 61, il y a eu Gagarine, en fait. Et donc, il fallait faire de la science-fiction, vers l'espace, tout ça. Et donc, on a mis en place ce film, qui est en fait adapté d'une nouvelle de Stanislas Lem, qui s'appelle La nébuleuse d'Andromède. Et là, le vaisseau va partir à la recherche d'exoplanètes. On va voir. Voilà. Alors, avant, puisque l'extrait, enfin, l'image choisie par le montreur de film montre cette image-là, c'est une station orbitale dont on aurait pu parler dans la conférence, station orbitale, où est construit le vaisseau Icarier qui part vers d'autres planètes. On voit l'usage de la station comme hub, comme point de départ vers l'espace lointain. Alors l'extrait, avec le tchèque. Ženeva. Podle posledních zpráv Světového astronautického centra probíhají startovní manévry Icarie podle programu. Po 8 letech příprav přestává být Icarie družicí Země. Ikarie XB1 je vlastně malým kosmickým městem pro 40 obyvatel. Alfa Centauri byla zvolena za cíl výpravy nejenom proto, že je nejbližší hvězdou. Rozhodující bylo, že se podobá Slunci a že má několik planet, na kterých se předpokládá existence života. Celou dobu stavby se Ikarie pohybovala kolem Země jako stacionární družice. A co bude dělat tatínek na Ikarii? Nic. Jak to nic? No nic, ale až přistanou na nějaké planetě, bude sbírat kytičky a zvířátka. Jak známo, vrátí se Ikarie za 15 let. Vlivem dilatace času však její posádka, řečeno populárně, zestárne jenom o 28 měsíců. Mars, náš stálý zpravodaj oznámil, že Ikarie XB1 překročila dráhu Jupitera. Oblast sluneční soustavy opustí ještě během dneška. Alors, un extrait extrêmement intéressant. Vous avez la partie station orbitale dont on pourrait discuter. Il y a une partie où on fait explicitement référence à un voyage vers Alpha du Centaure, qui est l'étoile la plus proche, autour duquel on a trouvé des planètes, ce qui est cohérent avec ce qu'on sait maintenant d'Alpha du Centaure, même si on ne sait pas du tout si elles sont habitables et évidemment a fortiori habitées. Et on donne aussi explicitement référence à la distorsion spatio-temporelle qui fait que le voyage, qui va durer 15 ans en durée terrestre, ne durera que 26 mois en durée des astronautes. Et là, tout à l'heure, on avait un rapport, vous voyez, dans la planète des singes, qui était 1400. Là, on a un rapport qui est plutôt de l'ordre de 6 à 7, vite fait de tête, 6 à 7. Donc, un rapport moins important entre les durées écoulées dans le vaisseau et les durées écoulées sur Terre. Et on va voir que ça implique que le vaisseau d'Icarier va sensiblement moins vite que le vaisseau de la planète des singes. Donc ça, on va y revenir dans un instant. Mais Quentin a aussi une remarque à faire sur le film. Une remarque sur le... On va peut-être le remettre sur l'extrait, sans le son. Oui, on peut l'avoir sans le son, ouais. Il y a une musique un peu qui vrille les oreilles. On sent qu'on est dans un la musique, monde. Hein. Ouais, la musique est un peu tchèque. Est un signe. Hein. Quand vous regardez un film,
Souvent, on pense à l'histoire, on pense au scénario, on pense au dialogue des acteurs, mais pensez à tout le reste, au décor, à la musique et tout ça. Et alors là, si on regarde bien, si vous regardez bien, en fait, si vous regardez le fond, vous voyez qu'il y a un petit... ça se déforme là. Hein. En fait, on est en fisheye, ce qu'on appelle aujourd'hui une lentille fisheye. En fait, c'est un grand angle. Et en fait, même pour les connaisseurs, je pense que c'est un hypergonard. Vous voyez le rond là-haut, comme il se... voilà. Et ben ça, c'était juste une petite... c'est pour l'anecdote, mais je pense qu'on est dans le cas d'un réalisateur qui a essayé de nous faire sentir. Hein. On parle de déformation de l'espace et du temps dans la relativité. Je pense que là, il y a une volonté de sa part d'essayer de nous faire ressentir quelque chose. Évidemment, le grand angle, c'est aussi faire ressentir le confinement du vaisseau et toutes ces choses-là. Et puis, petit clin d'œil, vous avez vu qu'on est rentré par un rond. Et en fait, on sait, par un assistant de Stanley Kubrick, qu'il a vu ce film juste avant. Et donc, vous avez peut-être reconnu que Hal, dans le vaisseau de 2001, Odyssée de l'espace, peut venir de ces extraits. J'ai aussi quelque chose à dire. Alors, la musique a été encensée à l'époque comme quelque chose de très novateur. Moi, je ne trouve pas. Mais on sent qu'il y a aussi dans la musique une volonté de nous faire sentir qu'il y a quelque chose de bizarre, hein, avec le temps, avec l'espace qui se passe. Et puis, alors, tous les textes là, que vous avez eu en bas, vous avez reconnu, c'est des news. Hein, c'est des journalistes en fait, qui parlent, qui interviewent des enfants. Et donc, je pense qu'il y a une volonté du réalisateur aussi de faire ressentir une forme d'immédiateté de la news. Jusqu'en détente. Hein, et de, pour justement mettre un contraste avec ces plans extrêmement lents qui sont là. Et pour justement essayer de vous faire ressentir ce côté, voilà, avec d'un côté un temps qui va vite et de l'autre un temps qui va plus lentement. Voilà, on peut ne pas être d'accord, mais c'est mon interprétation de cet extrait. Oui, donc pour revenir sur 2001 en un instant, puisqu'on en fête les 50 ans cette année quand même, si vous avez l'occasion de voir ce film, regardez-le. Il y a énormément de choses du point de vue de l'ambiance, hein, si je veux dire, des décors, des représentations de ce film qu'on retrouve dans 2001, le ciel de l'espace, en 1968, donc quelques années plus tard. Alors maintenant, après le cinéma, passons aux choses sérieuses. Donc là, c'est ce que vous êtes venu chercher. La relativité. Hein. Voilà. Alors un peu de relativité. Alors on commence. Alors ça, c'est pas du cinéma, mais enfin, c'est une bande dessinée qui est absolument géniale. Que je vous recommande si vous ne la connaissez pas, Calvin et Hobbes de Bill Watterson. Alors là, c'est la version anglaise. Et là, on voit le petit Calvin qui est avec son tigre. Alors, ce n'est pas un tigre vivant. Le tigre est vivant et ne discute avec Calvin que quand les parents ne sont pas là, dès que, tant qu'il n'y a pas d'adulte. Puis dès qu'il y a un adulte, le tigre est vivant et ils discutent ensemble. Et il se dit, tiens, est-ce qu'on va tester la théorie de la relativité? Alors, dans le film, on nous parle de la relativité. Là, c'est dans une bande dessinée. Il dit, ben, l'idée, c'est... Alors là, c'est intéressant, c'est que plus on va vite, plus le temps ralentit. Ok, j'ai compris, on y va, il est 10h23, quelle heure est-il? 10h24, accélère, 10h25, le temps ne s'est toujours pas arrêté. Il dit, est-ce que le temps s'est arrêté? Non, non, c'est juste mon cœur. Il dit, j'ai l'impression qu'Einstein, c'est quand même, on s'est fait rouler avec Einstein. Il dit, non, non, il a raison, regarde maintenant, le temps s'est arrêté. Et donc là, voilà, c'est une représentation extrêmement amusante de la relativité, qui est fausse par certains aspects. Ça veut dire, on va discuter, on va voir tout de suite que cette phrase-là, qu'on entend d'ailleurs très souvent, voire trop souvent, plus on va vite, plus le temps ralentit. Il n'est nullement question de ralentissement du temps, comme on va le voir dans un instant, et on va essayer de comprendre pourquoi cette phrase est fausse et comment il faudrait la formuler pour être correct, et comment, si Calvin voulait dans son bolide vérifier la théorie de la relativité, il peut tout à fait faire ça avec son bolide rouge, qui n'a pas l'air d'aller bien vite quand même, si son copain Hobbes était pourvu non pas d'une montre, d'une simple montre, mais de deux montres, hein, et que ce soit plutôt des horloges atomiques que des montres à ressort. Alors, en 1905, donc, Einstein bâtit cette théorie. Je ne vais pas faire toute une grande histoire, c'est pas tout un cours complet sur la relativité, il va y avoir évidemment des choses détaillées, un peu détaillées sur la relativité, donc je vais aller malgré tout relativement vite et sauter au plus important pour comprendre finalement ce qui fait l'essence, la partie importante de cette théorie de la relativité quand on l'utilise dans les films, dans les bandes dessinées ou ailleurs, dans les romans de science-fiction, on le verra tout à la fin, c'est le fait que les durées mesurées par deux observateurs en mouvement relatif l'un par rapport à l'autre ne sont pas les mêmes. Et essayer de comprendre peut-être d'où ça vient et comment est-ce qu'on peut comprendre finalement ce vieillissement, ces durées mesurées différentes pour deux voyageurs, ce qui est typiquement le cas dans les deux extraits qu'on a montrés, un vaisseau qui part, qui fait un voyage et qui mesure des durées de voyage, d'aller-retour, disons, plus courtes dans le vaisseau que pour les gens qui sont restés sur Terre. Alors, 1905, Einstein élabore sa théorie en posant deux postulats. D'abord, en élargissant le principe de relativité galiléenne, l'idée que la physique est la même dans tous les référentiels. Pour Galilée, qui ne l'a pas formulé comme ça, mais ça revient au même, ça concernait essentiellement la mécanique, et puis Einstein étend ça à toute la physique, hors gravitation, toute la physique, y compris l'électromagnétisme relativement récemment découvert, élaboré notamment par Maxwell.
Et puis il pose un deuxième postulat, c'est que la vitesse de la lumière dans le vide, la vitesse de la lumière dans le vide prend la même valeur pour tous les observateurs. Si vous mesurez la vitesse de la lumière du lampadaire qui nous éclaire ou de la source qui éclaire l'écran, vous allez trouver 300 000 km par seconde, disons en chiffres ronds. Si maintenant vous vous déplacez par rapport à cette source, ou si cette source se déplace par rapport à vous, c'est parfaitement symétrique, eh bien vous allez mesurer à nouveau cette vitesse et trouver à nouveau 300 000 km par seconde. Alors ces postulats ont deux conséquences immédiates. La première, elle vient d'une expérience de pensée. Encore une fois, Einstein utilise beaucoup les expériences de pensée. Une expérience de pensée où il y a souvent des trains, et dans les trains c'est pratique parce que les trains se déplacent par rapport au quai, et il y a des passagers dans le train qui peuvent être assis fixes dans le train. Donc il y a deux observateurs, disons le contrôleur du train et le chef de gare fixe sur le quai qui voit passer le train. Le contrôleur dans le train, pour lui le train est fixe. Alors le contrôleur, au lieu de contrôler vos billets cette fois-ci, ce qu'il va faire, c'est une expérience de physique. Il va mettre au milieu du wagon une source de lumière qui va émettre de la lumière dans les deux directions. Il appuie sur le bouton, ça part dans les deux directions. La source est suffisamment précisément placée au stand pour que l'événement, la lumière arrive à l'avant du wagon, et l'événement, la lumière arrive à l'arrière du wagon, soit pour le contrôleur du train simultané. Et maintenant, que voit le chef de gare ? Alors, le chef de gare voit le wagon se déplacer, et comme pour lui aussi la vitesse de la lumière est la même que celle que pour le contrôleur, eh bien, il va voir arriver la lumière qui se dirige vers l'arrière du wagon, il va la voir arriver, l'événement, la lumière arrive à l'arrière du wagon, va se produire avant l'événement, la lumière arrive à l'avant du wagon, tout simplement parce que le wagon se déplace pendant que la lumière progresse et que la vitesse de la lumière est la même pour tout le monde. Elle vaut 300 000 km par seconde pour tout le monde. Et du coup, deux événements qui étaient simultanés pour le contrôleur ne le sont pas pour le chef de gare. Et ça, ça a une conséquence, on peut traduire simplement, il n'y a pas d'universalité, de la simultanéité de deux événements. On peut se dire, so what ? Eh bien, quand vous définissez le présent d'un événement, c'est l'ensemble de tous les événements qui sont simultanés à un événement donné que vous choisissez pour définir son présent. Si deux événements simultanés le sont pour certains observateurs et pas pour d'autres, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de présent universel. La notion de présent n'a simplement pas de sens. Elle va dépendre de mouvements relatifs d'observateurs les uns par rapport aux autres. Deuxième conséquence du postulat, on va utiliser ça une horloge à lumière. Alors une horloge à lumière toute théorique, c'est pas comme ça qu'on fait des horloges de précision, mais ça permet d'imaginer, de bâtir encore une expérience de pensée. Une horloge à lumière, c'est deux miroirs qui se font face à face, parfaitement réfléchissants, parfaitement parallèles, sinon c'est le bazar. Et la lumière, elle monte de bas en haut, donc il y a un événement départ de la lumière du miroir d'en bas, et un événement retour de la lumière au miroir d'en bas. Tic, tac. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Alors évidemment, vu la vitesse de la lumière, tic et tac, ça va extrêmement vite. Sur des miroirs réels, au bout de quelques réflexions, la lumière est absorbée. Il faut s'appeler Serge Haroche et avoir bâti des miroirs extraordinairement précis et refroidis à des températures qui sont de l'ordre du millième de Kelvin pour que la lumière puisse rebondir des millions de fois et même des dizaines de millions de fois entre deux miroirs pour d'autres expériences qui n'avaient rien à voir avec ça. Donc, tic et tac et tic et tac. Quelle est la durée qui sépare deux événements, l'événement départ de la lumière du bas et l'événement retour de la lumière du bas. Les deux événements se produisent au même lieu, au point de départ. Eh bien, c'est facile. La distance qui sépare les deux miroirs est L. On fait un aller, un retour. La distance parcourue est 2L. La lumière se déplace à la vitesse de la lumière qu'on note C, 2L sur C. Voilà la durée d'aller-retour. Parfait, ça va être la fréquence ou la période de votre horloge à lumière. On remarquera, on appellera delta T une durée propre. On l'appellera propre parce qu'elle sépare deux événements qui se produisent au même endroit, l'événement départ de la lumière et l'événement retour de la lumière. Alors maintenant, même expérience, on est dans le rôle de la personne qui tient l'horloge à lumière devant lui, et maintenant, cette personne se déplace par rapport à vous, ou vous vous déplacez par rapport à elle, même symétrie, il n'y a pas de particularisation spéciale, il y a un mouvement relatif entre un autre observateur et l'horloge à lumière. Et qu'est-ce qu'il va voir ? L'horloge à lumière, il va la voir se déplacer. Ah, j'ai pris trois instants, l'instant du départ, l'instant de l'arrivée au miroir supérieur et l'instant d'arrivée de retour au miroir inférieur. Quelle est la durée de l'aller-retour pour quelqu'un qui voit passer l'horloge ? Eh bien, il va simplement prendre la longueur de la parcourue par la lumière et il va diviser par la vitesse de la lumière.
cette longueur-là est manifestement plus grande que elle, on pourrait la calculer, elle est plus grande que elle, et donc la durée qu'il va mesurer va être supérieure à la durée mesurée dans le référentiel des miroirs, la durée propre. Et on peut élaborer le calcul que je vous épargne, je mets la formule parce qu'on n'est pas là pour rigoler, et le rapport, c'est un facteur, il y a un rapport entre les deux d'un facteur gamma, qu'on note gamma habituellement, qu'on appelle aussi facteur de Lorentz, monsieur Lorentz, et ce facteur gamma dépend du rapport entre la vitesse V, relative entre l'horloge et l'observateur, et la vitesse de la lumière C. Delta T' n'est pas une durée propre, car les deux événements, départ et arrivée, pour l'observateur qui voit passer l'horloge, ne se produisent pas au même endroit. Pour la suite, je vous demanderai de retenir la formule qui est là. Vous la retenez. Mais, parce qu'on va la revoir. D'accord. Et donc, finalement, on voit que la durée qui sépare deux événements, c'est une manière de généralisation. Tout à l'heure, on disait la simultanéité n'est pas universelle. Simultanéité, ça veut dire, si je trouve que deux événements sont séparés par une durée nulle, un autre observateur les trouvera séparés par une durée non nulle. Bon, ben là, c'est plus général. Si je trouve deux événements séparés par une certaine durée, un autre observateur va les trouver séparés par une autre durée. La mesure de la durée qui sépare deux événements va dépendre de l'observateur. Et donc, si vous voulez construire, si moi, je veux construire ce que j'appellerai le temps, on va voir que le temps, ça n'existe pas. Je vais construire d'abord mon temps par accumulation de durées successives. J'ai dans ma main une horloge, étiquetac, étiquetac. À partir du moment, par exemple, là, c'est le zéro de mon échelle de temps, et j'additionne les durées successives indiquées par mon horloge, je les additionne, et je repère d'autres événements sur cette échelle de durée de temps qui est une addition de durées successives. J'ai construit mon temps et mon temps propre. Mais ce temps propre n'est propre, comme son nom l'indique, qu'à moi, car vous qui êtes en mouvement par rapport à moi, vous allez construire votre temps propre à addition de durées successives, il ne risque pas de coïncider avec le mien, car les mesures de durée, si vous êtes en mouvement par rapport à moi, ne sont pas identiques aux miennes. Vous allez construire votre temps. Donc le temps, ça n'existe pas. Par ailleurs, les vitesses mises en jeu habituellement, de marche, de course, de voiture, d'avion, et dans une moindre mesure de fusée, sont si faibles devant celles de la lumière que les écarts sont complètement inobservables à nos sens. Encore une fois, un effet où nos sens, disons, nous trompent, ou en tout cas, nous ne montrent pas la réalité du monde physique. Je me passe sur ça. Voilà la courbe, le facteur de Lorentz, c'est 1 sur racine carrée des moins v sur, de v sur 1 moins v sur c au carré. Cette courbe qui part à 1, ce facteur gamma est toujours strictement supérieur ou égal à 1. Il vaut 1 exactement quand la vitesse relative est nulle, et puis cette courbe, on la voit qui monte, qui diverge, j'ai arrêté à 10, mais ça diverge à l'infini, quand la vitesse s'approche de la vitesse de la lumière, cette courbe diverge, et le facteur gamma est aussi grand que l'on veut. On a vu dans le premier film 1400, dans le second 6. Alors 1400, ça veut dire que vous êtes proche de la vitesse 1400, vous voyez que là je suis qu'à 10, hein, et vous avez vu, je suis déjà, là avec le dessin, je suis déjà à l'épaisseur du trait, je suis déjà à l'impression à 100%. En fait, avec un facteur de Lorentz, ce facteur de rapport de durée, 6 mois dans le vaisseau et 700 ans sur Terre, c'est ce facteur gamma de Lorentz dont il est question, qui n'est pas donné explicitement mais que l'on recalcule. 1400, ça veut dire que la vitesse du vaisseau relativement à la Terre est de environ la vitesse de la lumière moins un millionième. 0,99999, je ne les ai pas comptés, peut-être un de plus, fois la vitesse de la lumière. Alors que l'autre, quand c'est 6 ou 7, le rapport de Lorentz dans le deuxième film, 28 mois, 15 ans, eh bien, ça donne un facteur qui une vitesse du vaisseau, de l'Icarié, qui est de 98,5% de la vitesse de la lumière. Alors, voilà ce qui se passe pour les jumeaux voyageurs. C'est le fameux exemple des jumeaux voyageurs. Qu'ils soient jumeaux, ça rend l'expérience ou l'expérience de pensée particulièrement spectaculaire. Deux jumeaux qui ont normalement le même âge, peut-être la différence d'accouchement près, à 15 minutes près, en tout cas, ils ont réputé le même âge, et l'un va faire un grand voyage dans l'espace, va revenir sur Terre. Il y a deux événements, l'événement départ du jumeau, on va les appeler Alice et Bob, Alice reste sur Terre et Bob s'en va. Le départ de Bob, premier événement, fait son grand voyage, à une vitesse très, très, très importante, il revient sur Terre. Deuxième événement, c'est son retour sur Terre. Les durées mesurées par les deux jumeaux ne sont pas identiques. Et on va trouver que Alice, qui est restée sur Terre, a vieilli, a mesuré une durée plus longue que Bob, qui a voyagé à une très grande vitesse.
Alors pour décrire ça, on va tracer ce qu'on appelle un diagramme espace-temps. Un carré, c'est un an. Un carré horizontal, c'est une année-lumière. Autrement dit, la vitesse de la lumière dans ce diagramme, c'est une année-lumière par an. Donc ça se déplace, la lumière se déplace par exemple comme ça, en suivant la diagonale principale des carrés. Alice, qui est fixe, reste immobile sur Terre. La Terre ne bouge pas, on est dans la façade de la Terre, elle ne bouge pas, donc elle est à un endroit et le temps s'écoule. Elle accumule des durées successives pour mesurer le temps et elle mesure sa durée avec un système périodique, une horloge atomique idéalement, quelque chose de très précis. Bob voyage, donc il s'éloigne de la Terre, il revient, il s'éloigne de la Terre, il se déplace dans l'espace du point de vue d'Alice et dans le temps. Là, j'ai représenté le point de vue d'Alice, le point de vue de la Terre. Le point de vue de Bob, il est dans son vaisseau, et dans son vaisseau, il ne bouge pas. Dans son référentiel vaisseau, il ne bouge pas. Et il a aussi son horloge, bien sûr. Alice a son horloge, Bob a son horloge. Chacun a son horloge qui mesure son temps propre. Le temps propre, c'est celui qui est avec vous, que vous emportez avec vous. Il fait un aller-retour dans l'espace. Alors, quelle vitesse va-t-il? Il fait 1, 2, 3, 4 unités d'espace en 1, 2, 3, 4, 5 unités de temps. Il va à 4 cinquièmes de la vitesse de la lumière. 4 cinquièmes de la vitesse de la lumière. 4 cinquièmes au carré, ça fait 16 25e. 1 moins 16 25e, ça fait 9 25e. Racine de 9 25e, ça fait 3 cinquièmes. 1 sur 3 cinquièmes, ça fait 5 tiers. Vous êtes d'accord? De toute façon, c'est écrit là. Hein. Je fais ça pour vous impressionner, hein, parce qu'il y en a pris 4 cinquièmes, parce que c'est facile. Après, pour les calculs, j'aurais pris 0,732, j'étais embêté. Donc, son facteur gamma vaut 5 tiers. Vous voyez, beaucoup plus petit. 4 cinquièmes, ça fait 80% de vitesse de la lumière. 5 tiers, ça fait un facteur gamma de 1, un peu plus que 1. 1,66, 1,67. Et donc, c'est beaucoup plus petit que les deux facteurs des films dont nous avons parlé. Alors, Alice, elle mesure une durée de voyage de 10 ans. 1 an, 2 ans, donc ça, c'est le point de vue d'Alice. Elle voit que Bob parcourt alors 4 années-lumière, parce que 5 ans pour aller, 5 ans pour revenir du point de vue d'Alice, eh bien à 4 cinquièmes de la lumière, il parcourt 4 années-lumière, donc ça le fait aller précisément aux environs d'Alpha du Centaure, qui est à 4,37 années-lumière. Et Bob, le voyage, lui, va durer eh bien 10 ans sur gamma, divisé par 5 tiers, ça fait 6 ans. Et donc je peux graduer, alors évidemment, le 1 qui est ici, il n'est pas aligné avec le 1 de Alice, hein, c'est le 1 de Bob. Le 1 de Bob, je n'ai pas représenté le référentiel de Bob, là, mais le 1 de Bob, il est là, le 2 de Bob. Bob, au bout de 3 ans, fait demi-tour, qu'on suppose instantané pour la facilité du raisonnement, mais qui en pratique ne l'est pas, parce que s'il se retourne instantanément, son accélération est gigantesque, quasi infinie ou très très grande, et Bob se retrouve instantanément réduit à l'état de ketchup. Et donc, il se retourne, il revient sur Terre, il accélère, il faudrait accélérer, décélérer, réaccélérer, redécélérer, ce serait la version complète. Et donc, on voit que les durées des voyages ne sont pas les mêmes. On peut les graduer. Et on peut même montrer que la longueur de la courbe spatio-temporelle parcourue par Alice est assez facile. On a l'impression que là, elle est à la graduation 10. Là, elle était à la graduation 0. 10 moins 0, ben, ça fait 10 ans. Évidemment, on est dans le référentiel d'Alice. Et là, ce qui est gradué, c'est le temps d'Alice. Donc, c'est le temps propre d'Alice. La longueur de la courbe d'Alice, c'est son temps propre. Eh bien, en fait, la longueur d'une courbe spatio-temporelle générale, spatio-temporelle, ça veut dire vous déplacer à la fois dans l'espace et dans le temps, la longueur de la courbe spatio-temporelle, c'est la durée propre qu'il a fallu pour la parcourir. Autrement dit, la durée qu'a mesurée l'horloge qui a voyagé le long de cette courbe spatio-temporelle. Et ce qui est tout à fait curieux, c'est qu'il y a, contrairement à la géométrie classique, il y a une inversion de l'inégalité triangulaire. Dans ce triangle-là, ou dans ce double triangle-là, vous avez tendance à dire que la longueur d'un côté, en géométrie ordinaire, la longueur d'un côté est toujours plus petite que la somme des longueurs des deux autres côtés. Eh bien, en géométrie spatio-temporelle, c'est très exactement l'inverse qui se passe. Et du coup, la longueur d'un côté, la durée propre pour parcourir un côté, est plus courte que la durée propre pour parcourir un autre côté, ou la somme des deux autres côtés. Et on se retrouve avec une situation où votre voyageur va mesurer une durée de voyage dans son vaisseau, avec son chronomètre embarqué, plus courte que celle qui est mesurée par le voyageur ou le non-voyageur, c'est-à-dire celui ou celle qui est restée sur place. Une petite remarque sur ce diagramme espace-temps. Tout le monde est tout à fait... Enfin, tout le monde... Des gens se trouvent effrayés par le diagramme espace-temps. Je rappelle quand même qu'il fut un temps où les horaires SNCF se présentaient sous cette forme-là, où on voit ici l'espace, Paris,
jusqu'à Lyon avec les stations, et le temps de 6h, 7h, 8h, etc., midi, etc. Et on voit un train, la courbe, une courbe verticale, ce serait un train qui passe par toutes les gares en un temps nul. Bouf ! Là, le TGV est fracassé, il va instantanément de Paris à Lyon, donc c'est un train avec une vitesse infinie, ça n'existe pas. Un train, une ligne horizontale, c'est quelque chose qui est fixe dans l'espace et qui se déplace dans le temps, c'est la gare. C'est pas très intéressant pour voyager. Et puis, il y a des trains, par exemple, le train qui part de Dijon ici, on voit qu'il a une certaine vitesse, qui est la pente de cette droite, il s'arrête à, je sais pas quoi, il s'arrête un petit peu, il reprend, il s'arrête à un autre truc perdu, il reprend, il s'arrête à Tonnerre, là c'est déjà du sérieux, il attend plus longtemps, il reprend, là franchement, à La Roche-Migène, là, ça a l'air important, il passe des plombes, et voilà. Et vous avez les horaires de train, c'est spectaculaire, maintenant vous êtes, on vous cocoune maintenant, vous appuyez sur l'app, et hop, ça vous dit l'heure, avant, voilà. Donc il fallait être sérieux sur les rames espace-temps, ça c'est quelque chose qui date du XVIIIe siècle, ça a été un ingénieur des ponts qui a inventé, qui s'appelle Ibri, qui a inventé cette représentation-là pour les trains, et puis cette image, elle vient d'un livre de quelqu'un qui s'appelle Étienne-Jules Marais, un livre de 1878, où c'est un physiologiste, un médecin, qui s'intéressait beaucoup au mouvement et qui a inventé la chronophotographie. Et donc il montrait ça comme exemple de représentation spatio-temporelle pour les mouvements de train, et cette image-là, et comme beaucoup d'autres images, ont eu un grand succès. Donc, comme je vois que l'heure tourne et que j'ai encore plein de choses importantes à dire, je vais quand même reprendre cette affaire-là pour la redonner dans le détail. En géométrie, ça veut dire horizontalement, j'ai de l'espace, et verticalement, j'ai de l'espace. Donc là, je suis dans le plan, j'ai deux points A et B, la distance qui sépare deux points A et B, et c'est là, on va revenir sur « deception of senses hein, », la distance qui sépare A et B, là, vous savez bien qu'elle dépend du chemin suivi. Hein. Si vous suivez ce chemin-ci, ce chemin-là ou ce dernier chemin, les distances parcourues sont différentes parce que la courbe que vous suivez est différente. Ça ne vous choque pas. Et si vous savez aussi qu'il existe un chemin de plus courte longueur, qui est la ligne droite, on oublie souvent de préciser qu'il faut que les deux points soient bien l'un en face de l'autre. Ça, c'est très important. Et la géodésique, c'est un cas général dans un espace qui ne serait pas un espace plan, un espace courbé, où là, il y aurait des subtilités. On appellerait géodésique la ligne de plus court chemin qui joint deux points. Dans le cas du plan euclidien, c'est la ligne droite. Et bien sûr, un arpenteur qui suit la courbe, une courbe bleue, il va compter plus de mètres. Il a son mètre à la main ou son double décimètre à la main. Il suit la courbe sur le sol et il va trouver plus de mètres sur la courbe bleue que sur la droite. Et il ne viendrait à l'idée de personne de dire que celui qui a mesuré sur la droite avait un mètre plus petit, il a trouvé moins de mètres parce qu'il avait un mètre plus petit que l'autre qui a mesuré sur la courbe. On dit, ben, c'est les mêmes mètres, simplement la courbe elle est différente. Alors, en chronogéométrie, pour reprendre un terme cher à Jean-Marc Lévy-Leblond, cette fois-ci, les points A et B, ce ne sont plus des points de l'espace, ce sont des événements, c'est-à-dire un lieu et un temps. Et là, on a un diagramme espace, verticalement, temps. Ces deux points, eh bien, ça, c'est la Terre à un moment donné et la Terre à un autre moment, compté dans son référentiel propre. Et on peut partir de la Terre pour voyager et y revenir. Et les deux courbes, elles n'ont pas les mêmes longueurs. C'est la même chose que tout à l'heure. Il n'y a pas de scandale particulier. Simplement, cette longueur, quelle est-elle? On est cette fois-ci dans l'espace et dans le temps. Il faut savoir mélanger à la fois des durées et des longueurs pour créer une distance spatio-temporelle. Et la distance spatio-temporelle, c'est la durée propre. Un chronomètre qui se déplace le long de ces lignes va mesurer une durée de voyage le long de ces lignes. Et cette durée de voyage, c'est la longueur spatio-temporelle de ces lignes. Et il n'y a nul besoin de se convaincre, parce qu'elles sont différentes, les durées sont différentes, naturellement différentes. À la petite subtilité près que la géométrie particulière de l'espace-temps eh bien, fait qu'un arpenteur ou un voyageur, pour le coup sur la droite, plus généralement sur un mouvement inertiel, se faisant en translation rectiligne uniforme, va compter plus de secondes pour joindre deux événements qu'un voyageur sur une autre courbe qui, soit dit en passant, dont la tangente est quelque chose comme l'inverse de la vitesse, cette tangente ne peut pas être telle que le voyageur dépasse la vitesse de la lumière. Donc cette courbe ne peut pas prendre n'importe quelle forme vraiment comme on veut, comme on le ferait dans la géométrie plane, où on peut faire des tours et ce qu'on veut. Là, on est contraint de ne pas dépasser la vitesse de la lumière.
Et donc, un voyageur sur la droite compte plus de secondes qu'un voyageur sur la courbe, et les secondes de l'un sont identiques aux secondes de l'autre, comme le mètre d'arpenteur était identique pour l'un et pour l'autre. Il n'y a pas d'horloge qui ralentit, il n'y a pas de temps qui s'écoule, le temps, ça n'existe pas. Il existe un temps propre pour chacun des observateurs, vous avez chacun un temps propre, ceux qui ont bougé différemment par rapport à moi, et puis ceux qui sont en haut, hein, je rajouterai pour la relativité générale, ceux qui sont en haut, vous êtes quand même plus haut, plus loin du centre de la Terre que ceux qui sont en bas, et normalement, les horloges de ceux qui sont en bas retardent légèrement sur les horloges de ceux qui sont en haut, à hauteur de quelque chose comme 10 puissance moins 15 secondes par mètre d'écart d'altitude. Et vous voyez, il y a plusieurs mètres là. Donc on peut mesurer ça maintenant avec des horloges atomiques. Deux horloges atomiques placées à des altitudes différentes vont mesurer des durées différentes, parce qu'elles sont des altitudes différentes, c'est de la relativité générale. Et déjà, une horloge atomique embarquée sur un vélo, à quelques mètres par seconde, une horloge atomique fixe, c'est ce qu'aurait dû faire Calvin. Deux horloges atomiques synchronisées, une dans son bolide, une posée au sol. Il fait son grand voyage, il revient à son point de départ. Son horloge du bolide a mesuré une durée de voyage. L'horloge atomique au sol a mesuré une autre durée de voyage. Il les compare, il les trouve différentes d'un tout petit epsilon, parce que, bien sûr, les vitesses du bolide de Calvin sont extrêmement petites. Alors, voilà un peu pour les, disons, rudiments. Il y aurait plein de cours à faire beaucoup plus longs. Ça a déjà été fait dans le festival à d'autres occasions, notamment par Jean-Marc et par d'autres. Là, c'est pour vous dire que cette affaire de durée, de mesure de durée différente pour des observateurs qui suivent des courbes spatio-temporelles, on appelle ça des lignes d'univers différentes, ce n'est pas plus scandaleux que des gens qui mesurent des longueurs différentes pour aller d'un point à un autre, physique, en géométrie plane, mettons, que les chemins sont de longueurs différentes parce qu'ils sont simplement différents. Donc, ce n'est pas plus scandaleux que ça. Alors, maintenant, on va arriver à un autre film qui nous paraît extrêmement intéressant et on a beaucoup de choses à en dire, tant moi que Quentin, dont on va vous présenter l'extrait. C'est un film qui s'intitule « Croisière sidérale » d'André Svoboda, qui est sorti sur les écrans en 1942. Alors, est-ce que déjà certains l'ont vu, le connaissent ce film ou l'ont vu ? Ah, ça c'est bien. Vous voyez, ça c'est bien. Alors ça, on est content, parce que le but, ce n'est pas de vous abreuver avec des films que tout le monde connaît, hein, c'est aussi de vous faire, disons, découvrir des films que vous n'avez pas vu et que vous essayez de les voir. Le Svoboda, on peut le trouver sur Internet. On peut aussi peut-être le trouver en DVD, je ne suis pas très sûr. Et donc, voilà l'extrait. Alors, cet extrait-là, il se passe pas au début du film. Alors, vous allez voir un peu l'ambiance du film. C'est assez marrant. Vous allez voir, ça vous donnerait tous une idée de l'ambiance du film. Il va vous montrer, en fait, un peu la même chose qu'on a déjà dite dans Icarié et vue. Parce que dans l'extrait de La planète des singes, il y a deux horloges. Il y a l'horloge de bord, le temps propre, et une horloge, quelque chose qui mime le temps propre sur Terre. Et on voit afficher des dates différentes qui matérialisent physiquement les écarts de durée mesurés, de voyage mesuré entre l'horloge de bord et une horloge terrestre. Et là, voilà la séquence d'André Svoboda, enfin du croisière sidérale de Svoboda. Peut-être tu veux dire quelque chose avant, Quentin ? Non, mais j'étais admiratif du choix des Alice et Bob, hein, dans ton... parce qu'après ça fait A et B, je trouve ça vachement fort. Alors j'ai pris Alice et Bob aussi, est-ce qu'il y en a qui font de la cryptographie dans la salle, qui ont déjà fait ça ou qui ont déjà lu la cryptographie ? Alice et Bob, c'est deux noms classiques qui sont pris en cryptographie, les deux personnages qui veulent échanger des messages codés, ils s'appellent souvent Alice et Bob. Donc j'ai repris aussi Alice et Bob et c'est pratique, ça fait A et B. Et juste sur cet extrait, on va revenir sur le film en détail après, c'est notre dernier film, on va vous passer plusieurs extraits parce que c'est assez impressionnant la façon dont ils ont traité la relativité dans ce film. Juste là pour vous dire, on est plutôt vers le milieu et en fait le principe du film Croisière sidérale, c'est qu'on va industrialiser la relativité restreinte puisqu'on va vous vendre des billets pour repartir et revenir sur Terre plus tard. Et alors partent dans le vaisseau à peu près tous les gens qui veulent échapper au temps. Alors il y a ceux qui sont promis à la corde, il y a ceux qui veulent récupérer échapper un héritage. Échapper à leur épouse, etc. Voilà. Alors, incidemment, ça montre une chose, je le dis avant de vous projeter au risque de vous faire patienter encore quelques secondes, puisque les durées mesurées sont différentes, que le temps n'existe pas et que chaque observateur a son propre temps, si vous voyagez à grande vitesse dans l'espace et que vous revenez sur Terre au bout de 10 ans de ce qui est apparu 10 ans de votre temps propre et que sur Terre il s'est écoulé, je ne sais pas, 1000 ans, vous avez voyagé dans le futur de la Terre. D'accord ? C'est vraiment ça. Donc le voyage dans le temps, ça ne veut pas dire grand-chose. Voyager dans le futur d'un observateur, d'un autre observateur, c'est possible. Il suffit d'avoir par rapport à lui une vitesse relative seulement importante, de faire un grand voyage, de revenir vers cet observateur et vous allez trouver ce décalage de durée mesurée,
qui fait que vous aurez voyagé dans son futur. Et là, ils vous vendent littéralement le voyage dans le futur de la Terre pour échapper aux impôts, échapper à votre percepteur, je viens de le dire, ou échapper à la justice ou quoi que ce soit. C'est parti. Excusez-moi. Attendez, je reprends, comme ça vous avez le son. Alors vous avez vu là, on monte deux chronomètres cette fois-ci, il y en a un qui a l'air normal, c'est-à-dire il ne bouge pas le temps qui se passe, une minute ou deux, on n'a pas vu bouger l'aiguille, et puis l'autre, boum, il défile à fond la caisse pour vous dire sur Terre, attention, ça cavale le temps. Vous avez bien compris, maintenant ce n'est pas le temps, les durées mesurées sur Terre et les durées mesurées sur le vaisseau ne sont pas les mêmes, et là le facteur gamma il vaut 1000, 5 heures, 7 mois, ça fait 1000, c'est des gros facteurs gamma de Lorentz, ça veut dire que la vitesse du vaisseau à laquelle il voyage, c'est quelque chose comme la vitesse de la lumière à un millionième près, encore une fois. Mais cet extrait, il a le mérite de nous montrer que justement, les conceptions qu'on a parfois de la relativité qui sont un peu fausses, de se dire si je voyage vite, le temps ralentit, alors je vais vivre un peu au ralenti comme ça. Pour le moment, à ma connaissance, les films nous ont épargné cette vision fausse de mettre des gens au ralenti dans un vaisseau. Là, on voit qu'ils vivent normalement et que sur Terre, ils vivent aussi normalement, mais que leur rapport entre les deux est différent. Alors, je vais vous présenter un petit peu ce film. Alors, je vais prendre la baguette, la zapette. Et j'ai juste un tout petit trou sur les prénoms, je suis très mauvais en prénom. Donc voilà. Alors le prénom, c'est donc Françoise qui est là, Robert qui est là, et puis il y a Lucien qui est là. C'est les trois personnages principaux. La star du film, c'est lui, c'est Carette. Carette, c'était un titi parisien qui jouait à l'époque dans des tas de films, les films de Claude Autant-Lara, par exemple. On peut le retrouver énormément. C'est ce jeu, c'est lui que vous avez vu dans l'extrait, cette espèce de jeu extrêmement théâtral, là, contre lequel la nouvelle vague française va s'insurger à mort et va appeler ça, Truffaut va appeler ça le cinéma de papa. Donc là, on est en plein dedans. En revanche, il y a beaucoup de choses intéressantes par rapport à la relativité. On l'a là. Après un voyage de 15 jours dans l'espace, une scientifique revient sur Terre. Une scientifique, c'est elle. C'est une scientifique, hein, je le précise au passage. Elle revient sur Terre et trouve son mari vieilli de 25 années. Et alors là, tu vois, je voyais, Roland, on n'est pas dans le même gamma. Oui, parce que ça, c'est 15 jours, 25 ans, ça fait 608. Ouais. Ils viennent de se marier, ils sont très amoureux, évidemment. Ouais. Et ils sont deux scientifiques, c'est un couple de scientifiques. Robert se foule la cheville et sa femme lui dit on va décaler l'expédition scientifique en ballon pour étudier les rayons cosmiques. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus qui sont tout à fait intéressantes. On passe ça dans le film. Et Robert dit non, ma chérie, et c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Pour l'époque, quand on voit dans d'autres films plus récents, tu es parfaitement capable de faire la science sans moi, il ne faut surtout pas repousser l'expérience, vas-y. Et donc, elle part avec lui. La jeune femme part avec la jeune scientifique, part avec le technicien, le gars qui est là-haut, qui est joué par Carette, et ils partent en ballon stratosphérique, et il y a un incident, on va le voir tout à l'heure, et quand elle revient, elle réalise qu'en fait, leur voyage qui a duré 15 jours dans l'espace, en fait, elle revient, elle trouve son mari, elle voit un vieux type, elle voit à l'institut scientifique, il y a un vieux type qui est le directeur, elle dit, vous allez voir la scène tout à l'heure, mais c'est son mari vieilli de 25 ans. Alors ensuite, quand ils industrialisent le truc, là, il nous dit 5 heures, 7 mois, bon, ça fait un facteur 600, là, 1000 de l'autre, beaucoup. Ouais, quand il l'industrialise, le ballon stratosphérique, je peux vous dire, il cavale, quoi. Vraiment, vous voyez, facteur de gamma 600, ça veut dire une vitesse de la lumière, une vitesse encore une fois extraordinairement proche de celle de la lumière, difficile à atteindre avec un ballon. Mais vous allez voir, il y a des tas de trucs super à dire après. Vous allez voir. Ouais, tu peux. Alors là, c'est juste pour vous dire, je vous parlais de cinéma de papa. Une des caractéristiques du cinéma de l'époque, c'est qu'on filmait intégralement en studio. Les caméras étaient extrêmement lourdes. Donc ça, c'est les studios d'Épinay. C'est un des rares studios qui survit en fait en France parce que la nouvelle vague. Godard, Truffaut, tous ces gens-là. Leur idée, c'était de tourner dans la rue avec les nouvelles caméras qui étaient plus simples. Et ils ont décimé littéralement l'industrie cinématographique française. Mais là, on est en plein dans ce qu'on appelait la grande industrie au studio d'Épinay. Épinay existe toujours. C'est là que Besson, par exemple, tourne beaucoup avant qu'il ait construit ses propres studios. Ensuite, la date, quand même, 1942. C'est quand même intéressant. Voilà. Moi, je voulais vous attirer l'attention là-dessus. Français. 1942. Vous voyez l'ambiance en 42 en France. J'ai pas besoin de préciser le contexte historique dans lequel on est à Paris. Et justement, je me suis posé un peu la question de l'impact que ça pouvait avoir sur le film. Je pense que tu peux passer. Alors,
Là, c'est l'extrait après. Un extrait suivant. Alors d'abord, on va vous montrer justement cette expérience qui tourne mal. Alors allons-y. Donc là, en fait, c'est le montage, je crois que c'est trois séquences. Je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer. C'est, ouais. C'est trois séquences qui sont montées. Là, on n'est pas, dans pas le film qui se déroule. C'est Quentin qui a bricolé. J'ai bricolé pour vous montrer un peu quand même le film, parce que on peut pas vous le montrer en entier. On n'a pas obligé d'avoir trop de son pour le moment. Donc ça, c'est le ballon stratosphérique qui va décoller avec la fille à l'intérieur et donc Carette, ce Lucien qui est là. Évidemment, c'est l'ingénieur de service. Il fume. L'autre, c'est dans la doctorante. Donc l'ingénieur est un peu bête. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il faut pas faire. Il fume dans un ballon stratosphérique. Voilà, pas très bonne idée. Il voit la chef arriver. Alors voilà, il essaye de faire ça. Il leur prend un petit coup. Vous voyez, là, on est dans le jeu. Vous voyez, hyper théâtral de l'époque. En revanche, l'image, c'est une image qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. Ce gris comme ça, qui n'est pas un clair obscur très fort, mais qui est un gris parfait. Voilà. Alors l'autre truc qu'il ne faut pas faire, c'est ouvrir la fenêtre quand on est... dans un ballon stratosphérique. Voilà, donc là ça commence à déconner un petit peu. On utilise... Les effets ne sont pas trop mal pour l'époque, vraiment. Même le ballon qu'on a vu avant, c'était assez beau. Vous avez vu, c'est probablement une image renversée. Là, on utilise l'image à l'envers. Ah, ça explose, ça pète. Voilà, ça c'est pas mal pour l'époque aussi, pas mal du tout. Le ballon part là-haut, vous voyez, là, il est parti. Il a marqué la vitesse spectaculaire du ballon stratosphérique, donc proche de la vitesse de la lumière. Donc là, vous imaginez dedans, c'est machine à laver, c'est Et alors voilà, dedans, donc là on peut avoir un peu de son s'il vous plaît. Alors là, le son, attends, c'est assez drôle ce qu'ils disent. Les gens voient le son. Là on est plutôt dans l'impro justement, à l'inverse de Schaffner où c'est hyper calculé. Là on sent que le dialogue moyen, vous allez voir. À 200 000, à 1 000 km. 1 000 km. Voilà, donc après ils sont en apesanteur. Alors tentative, c'est la première tentative que j'ai trouvée dans le cinéma français d'avoir un peu d'apesanteur. Alors c'est le plus beau. Dans votre engin, on peut même plus casser la gueule. Arrêtez-vous, c'est trop sûr. Vous me donnez le vertige. Comme si tu ne mets pas de ma faute si le plancher monte au plafond. Et là, très très bel extrait, c'est quand elle commence à faire ses mesures pour revenir sur Terre, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas vraiment, qui tourne pas, enfin qui n'est pas vraiment bon, regardez. Non, décidément, c'est toujours la même chose. Je ne comprends pas. Toutes mes observations donnent des résultats, non pas faux, ni même inattendus. Elles donnent des résultats impossibles, absurdes, comme si... Tout à coup, 2 et 2 s'étaient mis à faire 5 et les lignes droites tournaient en rond. Vous comprenez? C'est joli, non? Pour évoquer la relativité. C'est génial, comme si 2 à 2 s'étaient mis à faire 5 et les lignes droites tournaient en rond. Ça, c'est des trucs qui évoquent évidemment la courbure et surtout 2 plus 2 égale 5. Une addition ridicule, mais pensez, si la vitesse de la lumière est invariante et la même pour tous les observateurs, vitesse de la lumière composée plus, on dirait habituellement, avec une autre vitesse, donne la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière plus un truc donne la vitesse de la lumière. Ce n'est pas du tout ce qu'on attend en composition des vitesses. Une voiture qui va à 100 km par heure comme ça et une autre qui va à 100 km par heure comme ça, c'est-à-dire 100 km par heure par rapport au sol, elles vont l'une par rapport à l'autre à 100 plus 100 km par heure. Vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, train à 200 000 km par seconde. Vitesse de la lumière par rapport au sol, vitesse du train par rapport au sol. Vitesse de la lumière par rapport au train, 300 000 km par seconde. Bah, c'est ce qu'elle observe. 2 plus 2 égale 5. Enfin, le truc, on se dit, mais on n'y comprend rien. Les additions, ça ne fonctionne plus. On n'additionne plus les choses comme habituel. Je ne sais pas si c'est intentionnel, mais en tout cas, c'est bien choisi. Oui, et puis vous avez remarqué, peut-être, elle parle de tourner en rond et elle tourne même en rond. Et elle tourne la tête en rond. C'est un peu basique comme mise en scène, mais ça marche toujours. Alors... J'ai une image normalement du studio. Ah voilà, ça c'est celle-là, je l'adore. Je suis assez content. C'est le fils de Svoboda qui a donné des photos à la cinémathèque, à la bibliothèque du film. Alors, c'est marrant de voir comme ça. C'est juste une petite anecdote, encore une fois, par rapport au film 2001, l'Odyssée de l'espace. Si vous avez vu 2001, vous savez qu'il y a cet effet du type qui court dans le vaisseau. Il y en a eu une très belle conférence il y a 2 jours avec Roland et Hugo qui nous parlaient de ces vaisseaux spatiaux qui seraient en rotation sur eux-mêmes pour recréer de la gravité. Eh bien, en fait. Dans 2001, il a utilisé une technique qui est en fait utilisée ici. Et c'est ça, c'est une photo qui est assez intéressante. Vous voyez, ce truc-là, ça tourne. D'accord, vous vous rappelez du plan où ils étaient au plafond, là, comment ça marche? Et bien simplement, ça tourne. C'est comme une roue de hamster. Je marche. Moi, je reste toujours en bas, mais le décor se déplace. Et la caméra est accrochée à l'axe de rotation, en fait. La caméra tourne avec et donc, la sphère. Et les personnages sont toujours verticaux, les pieds en bas, la tête en haut. Et ils font tourner la sphère de la roue de hamster. Le mouvement est comme rien, Galilée. Ouais, ça marche aussi. Ça joue complètement sur un référentiel différent. Si on regarde le truc en train de se faire, on comprend tout. Si maintenant, on regarde que le point de vue de la caméra, on a l'impression que les personnages tournent et se retrouvent la tête en bas. Alors, voilà. Donc ça, c'est 1942. Je pense que tu peux avancer le...
C'est une image de Fritz Lang, hein, c'est pas le film, mais je trouvais que ça illustrait bien le contexte de l'époque. Et alors figurez-vous, quand on se plonge dans le cinéma des années entre 40 et 44, vous voyez qu'il y a eu 220 films français réalisés. C'est énorme pour l'époque. En fait, on parle d'une parenthèse enchantée, alors complètement paradoxale. Pourquoi donc régime de Vichy, contrôlé par les nazis, ils vont en fait nommer plusieurs personnes dans le cinéma français qui vont contrôler le cinéma et ils vont le financer. Ils vont créer une énorme société de production qui s'appelle La Continentale, qui va financer énormément de films. Pourquoi ? Parce qu'ils sont conscients que le cinéma français, c'est le meilleur cinéma du monde à ce moment-là, et que c'est un moyen de propagande évidemment énorme. Et donc ils vont appliquer par-dessus ces films un truc qui s'appelle la censure. Alors là, on peut passer au slide suivant. Voilà. Ça, c'est un track que j'ai trouvé à la bibliothèque du film. Je vais passer très vite dessus. Ça s'appelle L'écran français, c'est très important. Alors on n'arrive pas bien à lire là, mais en gros, ce sont des réalisateurs qui décident de faire résistance et qui se mettent à passer des tracts et qui se disent qu'il faut absolument glisser dans les films autant de messages possibles pour les résistants, autant de messages possibles pour le peuple juif, autant de messages possibles pour contrer cette censure. Et quand on prend cette grille de lecture-là, on peut voir que Croisière sidérale a pas mal de petits trucs comme ça, parce qu'en fait, et ça vous êtes obligé de me croire sur parole, et moi je suis obligé de croire sur parole les gens de la bibliothèque du film, mais Svoboda faisait partie de l'écran français. Évidemment, c'est pas signé nominativement, donc on peut pas en avoir la preuve absolue. Alors, un autre extrait de Croisière sidérale. Ah oui, pardon. Un avertissement productif. Ce que je dois juste dire, je pense qu'on peut sauter ça, en fait. Bon, si tu veux. Regarde, je trouve c'est cool. Alors, juste pour vous dire que... Ils sont solides. Allez. C'est parti. C'est juste c'est le texte qui est au début du film. Hein. C'est ça qui est bon, là. Idée scientifique exacte. Ils vous racontent que c'est vrai ce qu'ils racontent scientifiquement, simplement ils ont un peu joué avec les nombres. Ils disent on a vous a truandé, mais on l'avoue. Voilà. Et le fond qui est derrière, cet effet de durée, de dilatation des durées. C'est assez honnête. Et tout à fait, c'est assez honnête. Ça, on ne voit pas mais comment ça. Mais l'idée scientifique exacte, et on parle de la relativité, moi je trouve ça aussi extrêmement intéressant dans le cadre de la censure. Pourquoi ? La relativité en 1942, c'est ce que les nazis vont appeler de manière ouverte de la science juive, de la science interdite. Or, c'est une idée scientifique exacte. Exact. Oui. Donc, la censure a bien du mal à vous empêcher d'en parler de manière scientifique. En revanche, on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres mots qu'ils ne peuvent pas dire. Alors, deux autres images. Voilà, alors ça, c'est pour vous illustrer les petits signes qui peuvent passer dans le film. Alors ça, vous voyez, ça, c'est un espèce de débile qui ne comprend rien quand ils reviennent et on lui explique, c'est nous sommes scientifiques, et lui, il ne comprend rien, il est complètement débile. Regardez ce qu'il a autour du cou, là. Ouais, ils viennent de l'Institut scientifique. L'endroit où ils travaillent s'appelle l'Institut scientifique. Bon, là, on le met à l'envers. Voilà. Et là, il y a marqué SI. C'est pas une référence au système international. L'interprétation de Quentin. Voilà, on peut interpréter comme on veut, mais je pense que c'est assez clair. Et puis ça, c'est le logo de l'Institut scientifique avec une jolie petite étoile à cinq branches, là. Et puis, des épis de blé. Ma culture judaïque n'est pas très bonne, mais je pense qu'il y a quelque chose avec les épis de blé. Voilà. On peut passer. Ça, c'était juste pour l'anecdote. Et enfin, je crois que c'est simplement le dernier extrait. Alors, vous avez tout de suite compris, là, ils se sont retrouvés, donc c'est au tout début du film. La jeune femme est partie avec son expédition, l'autre a foutu le bazar. Ils reviennent, et ils trouvent évidemment qu'il s'est passé des choses sur Terre. Ils arrivent à l'Institut scientifique, elle réalise que le directeur, c'est son mari maintenant, qui est plus vieux qu'elle. Et voilà l'extrait. Ah, attends, juste... Ils discutent, et ils discutent entre eux pour comprendre ce qui s'est passé quand même. Il y a un truc qui s'est passé, essayons de comprendre. Donc ce que je voulais vous lire sur la censure tout à l'heure, pour que vous voyez dans cet extrait comment on le retrouve d'ailleurs à la fin. Donc la censure, donc chaque film est automatiquement refusé s'il a quelques valeurs, s'il n'est pas uniquement destiné au catéchisme de persévérance, ou s'il n'exalte pas puérilement le retour à la terre. Et puis l'autre passage que j'avais, c'était « Les films doivent s'intéresser avant tout à la moralité publique, au respect de l'idéologie du régime travail, famille, patrie et à la défense de la jeunesse. Il se manifeste ainsi la volonté de gommer la période sombre de la Troisième République, blablabla. Et les films doivent primauter et donner à la mise en scène, en production de films, de lumière, de courage et de bonheur. » C'est exactement ça. Hein, là, c'est à la gloire de la science, à la gloire de la technologie française. Donc, en fait, le film arrive à faire passer énormément de messages anti-censure tout en respectant beaucoup la censure. Et vous verrez à la fin de l'extrait comment il termine ça pour justement retomber sur ses pieds. C'est notre plus bel extrait, je crois. Je crois qu'on peut l'annoncer quand même parce que c'est notre dernier. Et alors, avant,
vous allez voir, avant qu'il le dise, je ne vous couperai pas, je ne parlerai pas comme ça sur les équations qui sont dessinées vous les reconnaissez, sur le tableau. Hein, celles-là, là. Sont exactement les équations dites de Lorentz, elles vont être citées dans le film, qui permettent de passer d'un référentiel à un autre, l'un étant mobile relativement par rapport à l'autre, où l'on exprime à gauche les coordonnées dans le nouveau référentiel, dans le référentiel mettons mobile, en fonction des coordonnées anciennes, qui sont celles d'une autre référentiel ou qui sont exprimées sans prime. Là, il y a un X avec un 0, il y a un petit détail, il y a des primes, mais il hésite avec un 0 là-haut. Et c'est exactement ça qu'il faut écrire, sous une forme tout petit peu désuète. Mais et puis le texte est également, vous allez voir, est absolument parfait. On va vous mettre l'extrait, le texte est absolument parfait. Le jeu d'acteur, pour le coup, là, dans le film, est assez bon. Je crois que j'ai compris. Oh, si c'est vrai, c'est à n'y pas croire. Tu comprends, votre ballon a passé 2 semaines hors du monde terrestre. Sans vous avez vécu 2 semaines dans le monde sidéral. Je comprends pas. Mais si tu vas comprendre, chérie, c'est très clair. Bah, vous êtes monté, puis vous êtes redescendu. Oui. Mais pendant ce temps-là, vous avez changé de système de référence. En somme, vous avez vécu 2 semaines dans un autre temps. Les formules de Lorentz ? Oui, les formules de Lorentz, les équations de Lorentz s'appliquent intégralement. Oh, ça c'est magnifique. 25 années. Mais tu comprends, votre ballon est allé si vite et si loin que vous êtes sorti du système solaire. Alors vous avez passé là-haut 2 semaines. 2 semaines pour vous ? Mais pendant ce temps-là, notre pauvre Terre a vieilli, elle, de 25 années. Et ton pauvre mari, lui aussi, a vieilli de 25 années. Mais vrai, Robert, est-ce possible? C'est peut-être pas possible, mais c'est certain. Et pendant tout ce temps, tu... Pendant ce temps, j'ai attendu un miracle. Et tu me rapportes deux. Deux? Oui, le premier, c'est que ce voyage confirme toutes les théories de la relativité, mais cela n'est rien. Et l'autre? L'autre miracle, c'est que tu sois revenu. Tu y crois? Je suis bien forcé d'y croire puisque tu es ici. Tu m'as attendu. Oui, Françoise. Dans cette maison. Nous avions tout préparé ensemble. Voici votre maison, Françoise. Voici votre maison, Françoise. Hein, maintenant, on va aller faire des enfants correctement. Voilà. J'aime bien. J'aime bien quand même le gars, il dit « C'est génial, on a vérifié la théorie !» Ouais. Allez, je t'ai retrouvé. C'est exactement c'est comme... Alors, ouais, c'est 25 ans qu'il est comme un con à attendre. Ils sont mariés, enfin bref. Ça rappelle exactement dans L'étoile mystérieuse, quand Calice voit l'étoile mystérieuse, calcule qu'elle va heurter la Terre, que la Terre va être détruite. Demain, je serai célèbre. C'est génial, la Terre va être détruite. C'est la même idée, quoi. Il est tellement dans son truc, dans son trip de science que... Ah oui, mais c'est vrai que t'es revenu, c'est cool aussi, quoi. Là, on est dans un extrait qui, pour moi, est un sans faute. On a aussi, après, à la fin, quand il dit « Est-ce que tu y crois ?», je dis « Je suis bien obligé, puisque tu es ici ». Oui, on est dans la vérification expérimentale. C'est un extrait assez fort. On a le costume futuriste avec les petits points. Et puis, alors, on a équation de Lorentz. Alors, je sais que c'est l'équation de Lorentz. D'accord, Les transformations de Lorentz. Oui. Moi, ma théorie, c'est qu'on ne peut pas dire Einstein là. La théorie d'Einstein est juste. Voilà, on ne peut pas. Il dit « Les équations de Lorentz sont justes ». Voilà, c'est pas pareil quand même. C'est pas pareil. Alors voilà, c'était le dernier extrait. Si vous voulez en voir d'autres, on aurait pu présenter tous ces films-là. On a réfléchi, en fait. On a réfléchi, on a dit on va prendre que les films les plus inconnus, donc on a assez bien joué, j'ai l'impression. Non, on s'est dit, en fait, quels sont les films qui utilisent la relativité d'une manière, si vous voulez, on essaie de la mettre au cœur de l'intrigue, on essaie de la faire ressentir. C'est pas juste, on l'évoque comme ça. Donc vous avez récemment là, Le Grand Tout, vous avez Interstellar, évidemment. Alors, comme vous allez le voir, alors, il y a peut-être un prisme aussi, c'est que moi, je suis né ici. Alors, j'en ai peut-être vu plus qu'il y en a peut-être avant que j'ai pas vu. Et ce qu'il y a de très bien, c'est que là, on vous a fait toute la relativité restreinte. Donc, l'année prochaine, on peut vous faire la générale. La générale. Parce qu'il y avait sur le programme, très mal fait ce programme d'ailleurs, il y avait une image d'Interstellar. Donc, du coup, ça vous a trompé. Vous veniez pour Interstellar. Il n'y a pas d'Interstellar. Parce que c'est la réalité générale l'année prochaine. Un peu de bibliographie technique. Ça, c'est mon chéri McLuhan. Alors là, vous lisez ça, vous comprenez tout. Il faut le mettre un peu à jour parce que les médias ont évolué depuis les années 60, mais il y a des tas de théoriciens qui travaillent à intégrer Internet dedans, à intégrer la radio dedans, tout ça, la nouvelle radio, disons, avec les podcasts et tout ça. Ça, c'est une revue, cinéma, dont Alliage, dont un numéro... Jean-Marc Évy Leblanc, comme on peut le dire. Hein. C'est, effectivement, c'est pas qui est de la publicité est montée. Et vous avez... c'est vraiment une réflexion cinéma et science qui m'a beaucoup plu, parce qu'on n'est pas là pour comparer cinéma et science, on est vraiment là pour réfléchir à l'interaction entre les deux. Vous avez 3 articles géniaux, que vous pouvez trouver en ligne, d'ailleurs. Présence de la science à l'écran, consultants scientifiques, ça vous allez découvrir à quel point les consultants scientifiques ont été à une période extrêmement puissants à Hollywood, et ils étaient devenus même des agents de films de science-fiction. Et puis ça, je l'ai mis parce que c'était ma directrice de mémoire, voilà, Raphaël Moine, qui vous fait un article sur les biopics de scientifiques dans les films. Et puis quand même,
Quentin, oui, je peux en parler, mais il a quand même réalisé un documentaire de l'IHP en 2016 sur Einstein, et surtout c'est la relativité générale quand on fêtait les 100 ans de la publication de cette théorie de la relativité générale. Donc, voilà, en fait, les 100 ans en 2015, on a fait un documentaire qui a été diffusé sur RMC Découverte, qui est disponible à l'Institut Henri Poincaré. Et mes deux co-auteurs à saluer, c'est Jean Eisenstedt, qui est historien, et Jean-Philippe Usan, que vous connaissez peut-être si vous êtes fidèle du festival. C'est peut-être, peut-être. Mais il sera là, il fait la clôture demain soir à 21h30. C'est lui qui nous parlera de Hawking et de ses, surtout de ses théories. Et puis un peu de lecture de science-fiction, parce que bon, il faut quand même pas rigoler. Taux zéro, ça c'est un livre de Poul Anderson, un livre des années 70, qui a été retraduit, republié assez récemment. Alors là, ils sont dans un vaisseau qui accélère tout le temps. Alors il y a une toute petite couche supplémentaire, c'est l'accélération, c'est plus un mouvement à vitesse constante. Et dans taux zéro, le vaisseau accélère tout le temps et le système de décélération tombe en panne. Et donc, il accélère tout le temps. Et donc, à un moment donné, il réalise que ça ne sert plus à rien d'accélérer, de ralentir et de venir sur Terre. De toute façon, chaque minute de durée de vaisseau correspond à des milliers, des millions d'années sur Terre. Donc, du coup, il ne s'agit plus que... Puis, il y a un twist à la fin, je ne vous le révèle pas. Charles Strauss, un auteur anglais, Aube d'acier. Alors, lui, pareil, il essaie de faire de la science-fiction qu'on appellerait de hard science. Donc, il essaie d'être aussi, disons, crédible, réaliste que possible. Il y a des romans vraiment excellents, enfin, vraiment de très, très bonne tenue. Aube d'acier en est un. Et là, tous les vaisseaux dans Aube d'acier se déplacent à des vitesses subluminiques. Et il y a tout un tas de conséquences qu'il va jouer avec ça. Et puis la guerre éternelle, pareil, une guerre qui dure infiniment longtemps pour la Terre, mais qui prend des fractions de secondes pour des vaisseaux qui se déplacent à des vitesses extraordinairement grandes et qui font un combat qui, pour eux, en tant de, disons, soldats ou intelligence artificielle, machine du vaisseau, dure des durées tout à fait normales, mais qui, pour la Terre, dure un temps considérable. Donc, trois exemples, hein, il y en a bien d'autres. Et puis, j'ai mis là-haut une citation d'Aube d'acier de Charles Strauss, parce que dans Charles Strauss, les humains créent une intelligence artificielle qui diverge instantanément vers ce qu'on se plaît à appeler la singularité et qui disparaît d'un coup. Et puis les humains, disent voilà, elle est disparue, très bien. Et on va continuer à faire notre petit business, on ne sait pas où elle est passée, ils recommencent des coups. Puis chaque fois qu'ils tentent de faire des choses qui touchent le temps, donc rebricoler une nouvelle intelligence artificielle un peu subtile, penser à des machines intemporelles, il y a un truc qui sort d'on ne sait où, qui leur met un coup terrible et qui repart. Et à la fin, il y a quand même un message de l'intelligence artificielle qu'ils ont créée qui arrive et qui leur dit voilà, je suis l'Escatone, je ne suis pas votre dieu, je suis votre descendant. J'existe dans votre futur, vous n'avez pas intérêt à violer la causalité dans mon cône de lumière du passé, sinon ça va chauffer. Et effectivement, les humains prennent des coups terribles à chaque fois qu'ils essaient de faire un truc qui viole la relativité restreinte, qui viole les lois de la causalité, qui viole ce qu'on peut dire sur le voyage dans le temps. Et donc c'est assez amusant, les humains avancent, vous voyez, un peu précautionneusement du coup dans l'univers. Il y a une espèce d'entité qui les regarde. Voilà, merci pour votre attention. Merci pour votre attention, merci pour ce voyage. Disponible pour des questions et discussions. Merci à vous. Pas de questions.